parler de pourquoi mes prix sont aussi chers sur ma boutique Etsy. Donc je veux bien sûr parler de mes yeux sans pupille. Donc pareil, sous mes vidéos, sous chacune de mes vidéos dans la barre de description, vous aurez le lien de ma boutique Etsy pour ceux que ça intéresse. Mais bref, donc c'est vrai que j'ai reçu des messages privés via Instagram auxquels on m'a déjà fait la réflexion, mais tes yeux sont très chers pour ce que c'est alors qu'il n'y a pas de pupille. Donc aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de vous expliquer pourquoi je mets des prix assez chers pour mes yeux sans pupille, en sachant que chaque paire coûte 5,50€. Alors déjà, il faut savoir que quand vous créez une boutique Etsy, en fait, quand vous mettez des nouvelles annonces sur votre boutique, donc on appelle ça des fiches produits, quand vous complétez vos fiches produits avec du coup le titre de votre annonce, là où les photos que vous voulez mettre, la description de votre annonce, mettre les hashtags, etc. Et bien à la fin, il faut enregistrer votre fiche produit pour qu'elle apparaisse sur votre boutique. Chose que beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas, c'est que nous, en tant que vendeurs ou vendeuses sur Etsy, et bien à chaque fiche produit enregistrée, il faut payer. Alors, sur Etsy, on paye en $. Donc je crois que pour chaque fiche produit enregistrée, vous payez... Alors, je sais pas le dire, mais... comment on peut dire centimes? Comme c'est pas français. Je sais qu'on peut dire dollars. Euros, c'est dollars. Mais bref. Bon, je vais le dire en français. Je crois que pour chaque fiche produit, vous payez 40 centimes ou 44 centimes, mais pas très cher. Mais ça, c'est en dollars. Je pense que vous aurez compris. Et... sauf que vous allez vous dire, ouais mais c'est pas du tout cher, c'est rien du tout. Sauf que quand vous faites 20 fiches produits, je peux vous dire que ça vous revient très cher. Donc déjà il y a ça qui joue. Pourquoi aussi on peut mettre nos prix plus ou moins chers alors que ça vaut pas forcément notre produit. Bref. Mais enfin, la seconde raison, et c'est pour ça que je pense tout vendeur met des prix assez chers, il faut savoir que quand vous réussissez à faire une vente, je ne vais pas parler de plusieurs ventes, une vente. Moi pour ma part, admettons, toi derrière ton écran, tu m'achètes une paire à 5,50€. Eh bien, sache-le, je ne gagne pas cette somme. Quand je reçois l'argent de mes ventes par Etsy, en fait déjà, le prix il varie. Je n'ai jamais reçu pour une vente le prix 5,50€ que moi je mets pour une vente. Une fois, j'avais gagné pas loin de presque 2€ pour une vente. La dernière fois... Pour une vente de 5,50€, j'ai eu 80 centimes. Et après, on s'étonne qu'on met les prix vachement chers. En fait, tout simplement, Etsy vous prend énormément d'argent pour chacune de vos ventes. Et en plus de ça, vous payez à chaque fiche produit. Bon, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour nos ventes, nous gagnons même pas le tiers pour une vente. Voilà. Il faut savoir que pendant toutes mes ventes que j'ai pu faire... C'est vrai que moi je m'étais jamais de suivi et là j'ai commencé à le faire, donc le fait que là je vais mettre un suivi, chose que je ne faisais pas, et bien là encore je vais encore augmenter le prix. Alors déjà que 5,50€ ça fait fureur, alors imaginez si j'augmente le prix, mais au moins vous êtes prévenus, vous savez pourquoi j'augmente mes prix ou pourquoi d'autres créateurs augmentent leur prix. Donc là je vais passer de 5,50€ à 6€ ou 6,10€, je sais pas encore. Je crois qu'un timbre coûte, un timbre vert je parle, coûte 80 centimes ou 95, je ne sais même plus. Et en fait si je vous donne un suivi, je paye plus d'1€. Voilà, donc je vais encore augmenter. Sinon maintenant je vais parler des futurs produits qui vont arriver sur ma boutique. Ça va être toujours des yeux, sauf que cette fois-ci vous aurez des yeux avec pupille. Là pareil, je vais devoir augmenter le prix déjà parce que là il y a une différence. Il y aura des pupilles. Voilà, donc déjà pour ce supplément je vais augmenter les yeux. Et le fait que maintenant je vais vous donner un suivi à chacune de vos commandes, et bah je vais encore plus augmenter le prix. Mais encore plus parce qu'Etsy nous prend de l'argent, donc j'ai pas trop le choix en fait. Donc du coup je pense que là pour des yeux sans pupille je vais tourner autour de entre 6 et 7€. Et pour mes yeux avec pupille, quand ça arrivera, je vais tourner autour de 7 à 8€. Voilà. Alors oui c'est extrêmement cher, je suis désolée de vous faire payer cette somme là. Mais il y a aussi une nouvelle, c'est que maintenant pour les remises en main propre, vous n'allez pas payer la somme que je mets sur Etsy. Pour une vente, là encore mes prix vont changer, vous l'aurez compris. En vrai, donc si je fais des remises en main propre de mes yeux sans pupille, la paire va coûter 3€. Mais sur Etsy, si vous faites votre achat sur Etsy, elle va coûter maintenant
entre 6 et 7 euros. Voilà, donc j'espère que vous pouvez comprendre la justification de pourquoi nous créateurs augmentons nos prix. Voilà, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous inciter à nous donner encore plus d'argent, pas du tout, c'est que vraiment on ne gagne même pas le tiers pour une vente. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que les points d'interrogation par rapport au prix de mes ventes sont levés. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire votre ressenti, de si vous me comprenez ou pas. Si vous me comprenez pas, il n'y a pas de souci, j'accepte, j'accepte les commentaires constructifs tant qu'ils sont sympas, agréables et pas méchants ou hautains. Mais voilà, donc moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, sur ce, portez-vous bien, salut.